Cette semaine, on fait le suivi domotique sur le travail que je suis en train de faire dans, dans mon nouveau condo. Euh, donc, on a eu dans les dernières semaines tous les aspects de lumière intelligente, on a eu euh, la, 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 balayeuse. la balayeuse. Et là, maintenant, ce que l'on a, c'est les stars intelligents. Donc, regardez bien ça. Euh, J'ai décidé de m'équiper avec des, euh, des stars, des toiles intelligentes. Et euh, pour ce faire, je devais décider avec quelle compagnie ou avec quel magasin je devais, je devais euh, 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 acheter mes, mes fameux stores pour l'ensemble des fenêtres euh, que l'on a. Et euh, j'ai découvert la compagnie Smart Shade, Smart Wings, euh, qui est euh, euh, un youtuber sur euh, sur YouTube qui, qui la recommande fortement et je ne suis pas déçu et je vais vous montrer un peu le processus que j'ai suivi pour être capable d'installer, de, euh, de, 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 de commander, d'installer ces fameux stores. Donc, la compagnie s'appelle Smart Wings, elle est disponible, elle est euh, localisée aux États-Unis, euh, sauf que euh, la majorité de la production est faite en Chine, donc il ne faut pas se, se, se le cacher. Euh, souvent, c'est une compagnie qui, qui place ses commandes directement là-bas, mmh. à leur usine, et qui s'est envoyée directement chez nous, ici au Canada ou aux États-Unis. Je pense qu'ils vivent partout dans le monde aussi. Donc, ça ne devrait pas être un problème si vous êtes à l'extérieur de l'Amérique du Nord. Donc, la solution euh, euh, Smart Wings, essentiellement, c'est le fameux Stephen Robles que j'ai parlé dans une émission précédente sur mmh. les lumières intelligentes. C'est lui aussi, euh, il, a, il a acheté ces, ces stars-là, il en avait acheté d'autres modèles de d'autres compagnies et euh, il était vraiment satisfait. Et, et une des raisons pourquoi il était excessivement satisfait de, de, de cette solution-là, euh, c'est que, euh, un, vous pouvez commander euh, vos échantillons euh, et recevoir l'ensemble des, des toiles possibles. Donc, dans mon cas, j'ai... tu c'est une bonne idée de ce que tu veux avant de le commander, c'est nice. Oui, bien, je l'ai fait. Moi, j'ai commandé le, le, le fameux kit. En fait, j'ai commandé les deux kits là, euh, de façon à pouvoir euh, avoir une meilleure idée de, 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 de quelle est la texture des toiles, quelle est la qualité des toiles. Et, et un des conseils que je donne, euh, on peut facilement dévisser ici les, 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 les petits échantillons. C'est une petite vis assez simple à dévisser. Et, et vous pouvez les coller dans votre fenêtre pour voir un peu euh, quelle va être la... la le niveau d'opacité ou le niveau de, de transluc trans, euh, c est, c est translucide ou non, pour vos besoins. Euh, et, et la couleur aussi, est-ce que la couleur vous convient avec la Est-ce que ça match avec les meubles, les tapis, exactement. les planchers, ainsi de suite? Donc, c'est ce qu'on a fait. On en a collé une dizaine qui nous intéressait sur une grande fenêtre. Euh, puis, en regardant, on pouvait voir exactement l'effet qu'on pourrait avoir. Et on est arrivé à la conclusion qu'on utiliserait ces deux, deux formats-là. Euh, Celui-ci pour mon studio avec un, un niveau de euh, 5% d'ouverture en termes de luminosité. Tandis qu'ici, euh, on est un peu plus translucide, euh, on parle ici de 50%. Donc, euh, donc, donc on euh, veut couper le soleil, mais pas, pas la lumière. C'est ça, exactement. Donc, euh, très pratique de, de, de commander ça pour être capable de prendre une décision éclairée avec les couleurs, les textures. Euh, et c'est bon là, pour tous les types. Là, ils ont tous les échantillons possibles. Donc, vous les commandez. C'est un bon investissement. Là, ça ne coûte pas très cher. Puis, ça vous permet de, de vous assurer d'avoir le résultat exact que vous voulez à la fin. Donc, euh, l'autre chose qui est super intéressante avec SmartWing, c'est qu'il est compatible à à peu près tous les protocoles. Ré. Lequel tu veux. Et puis, voilà. Quand tu commandes, tu choisis le protocole que tu veux. Bien évidemment. Si on est dans un protocole, dans un environnement qui, qui risque de bouger, on va peut-être aller vers quelque chose au niveau Matter. Euh, mais il est compatible HomeKit, il est compatible ZigBee, il y a une version Z-Wave, il y a leur propre version sub 1 GHz avec leur propre contrôleur. Donc, euh, C'est vraiment euh, très, 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 très bien comme solution. Euh, moi, dans mon cas, j'ai un écosystème HomeKit euh, avec, avec du Apple Muramer. Donc, j'ai été avec Thread, j'ai été avec euh, la version HomeKit et ça m'a permis facilement de, de l'intégrer euh, à l'intérieur de, euh, de mon écosystème. Donc, j'ai reçu mes boîtes. Dans mon cas, j'en ai commandé trois pour démarrer. Euh, vous allez voir des photos de, de l'installation. Donc, un pour mon studio que j'ai présentement avec celui qui est le plus opaque. Et après ça, euh, un, un, un dans le, de le salon, puis un sur le salon-galerie qui donne sur la galerie. Euh, et, et on attendait de voir le résultat avant d'aller plus loin avec les autres fenêtres. Euh, et c'est ce qu'on va faire dans les prochaines étapes. On va commander dans les autres pièces les stars qui nous manquent. Donc, c'était livré. Euh, et, et petit aparté, c'était UPS qui livrait. Ils ont livré la mauvaise adresse parce que je suis dans un. Oui, euh, il a fallu que tu courir dans le bloc. Oui, pour te trouver dans lequel il était, parce qu'il y a plusieurs blocs, un à, un à côté de l'autre, euh, et le nôtre est en construction, donc euh, l'adresse n'était pas répertoriée chez UPS, en tout cas. Tout ça pour dire que ça se retrouvait dans un autre building, mais je les ai trouvés sans trop de problèmes, bien évidemment. Euh, ça vient avec une manette, avec un câble pour euh, le chargement. Euh, ça vient avec euh, euh, bon, la petite prise électrique, le petit, euh, le petit adaptateur pour euh, le, le, le charger et les instructions super simples. Euh, c'est bien sont cher, euh, Patrice. On va en reparler tantôt. Okay. Euh, c'est un peu dans ma conclusion qu'on va parler de ça. Pour l'installation, euh, on a dans mon cas, c'est assez simple. C'est une sympa, installation des, intérieure. Oui. Deux, deux, deux petites braquettes en L avec deux vis. Euh, donc euh, très facile à installer euh, on s'assure de les mettre à 10 cm, 4 pouces des bords euh, et dans mon cas j'en ai pris trois, une au centre parce qu'il était plus long euh, et, euh, et un petit truc c'est de s'assurer qu'on a un bon fond de, de vissage ou de clouage ouais. donc euh, le truc c'est de prendre vraiment une petite mèche euh, vous percez vos trous une fois que vous avez fait vos marques, euh, vous allez avoir une idée s'il faut euh, renforcer ou si juste une vis ça va être correct euh, et, et, et dans mon cas, j'avais des, euh, des, des montants de métal donc, que j'ai été capable de visser dedans pour que ce soit très solide. Euh, autre petit problème que j'ai fait face, c'est que... Plus notre star est long, plus c'est dur d'être capable de l'installer. Comme vous voyez là, il faut vraiment pousser en avant puis aller le clipper par en arrière. On ne fait... voit pas, Patrice. On ne voit pas dans le. La... <laughs> Elle t'a dit comme vous voyez. Mais on... ben, dans l'image de droite. Dans l'image ah, okay, de droite. Okay, 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 okay. Vous voyez, il faut vraiment pousser, oui. puis après ça, aller le remettre comme ouais, ça. Oui, il faut le clipper. Fait que tu as besoin soit d'être deux ou d'avoir des bras très, très larges. Il faut, euh... faut être deux. Il faut être moins de roman qui est un peu long, il faut être deux. Et, et, et c'est là que tu vois si ton. Si ton mur il est droit, pas s'il n'est pas droit, puis que ça bouge de, de, de 3-4 mm, là, c'est beaucoup plus difficile d'être capable d'aller le clipper. Tout ça pour dire que euh, c'est le bout le plus dur. Euh, ça a été capable de les clipper, mais une fois qu'ils sont clippés, on ne on, on les bouge plus. Ils sont là, puis ils sont, ils sont, bien, ils sont bien solides. Euh, en avant, il y a comme un petit ressort avec un, un une affaire de plastique. Euh, ce que je me suis aperçu, c'est que quand ça vient de l'usine, c'est très dur. Il faut vraiment... Euh, peser souvent. Une bonne dessus. pression. Oui, pour que ce soit un petit peu plus lousse, pour que ce soit plus facile pour aller le clipper. Donc, c'est une des choses que j'ai apprises à la troisième installation. Là. Euh, la première, j'essaie de figurer. Le deuxième, OK, on va ajuster. Puis le troisième, tu es rendu un expert. Oui, là, j'avais compris quest ce qui se passait. Donc, vous voyez comment je les ai installés. Ça, c'est le côté galerie. Euh, oui, on est encore en construction. <laughs> Il y a encore des, des ascenseurs avec des. Euh, euh, des matériaux qui se promènent. Euh, donc, euh, je les ai installés 10 cm euh, à gauche, 10 cm du derrière. Donc euh, 4 pouces, 4 pouces, euh, deux petites vis et l'affaire est jouée. Euh, C'est pas plus compliqué que ça. Donc, euh, dans mon cas, j'en avais trois pour la longueur. Euh, le, 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 le YouTuber. Le ben, le YouTuber nous disait euh, « Vous avez un petit code QR et assurez-vous que vous l'avez parce que quand va venir le temps de faire l'opérage, le jumelage avec votre application, vous devez avoir ce code QR-là. Sinon, vous devez tout redémonter votre star et aller utiliser celui qui est collé sur le côté euh, du moteur. Euh, » Dans mon cas, euh, je dis à ma conjointe… Euh, As-tu as -tu le code QR? Puis finalement, le premier, on l'a, le deuxième, on l'a, puis le troisième, on ne l'a pas. C'est comme, hey, c'est pas vrai, il est installé. <laughs> finalement, est, le Colin était collé sur le plastique blanc <laughs> qui retenait le star et il était dans la poubelle. Donc, on l'a retrouvé, donc il était bel et bien là. Donc, s'assurer qu'on a ça, je vous dis tout de suite, c'est important de les avoir. Si ce que tu es faut. en train de dire là, là euh, c'est pour tout ce qui est configuration home. là, les collants, des fois, sont sur les boîtiers, des fois, c'est sur le petit carton avec ouais. les instructions. Puis, c'est plate, ce que je veux dire là, mais souvent, tu ouvres la boîte, tu as un petit carton avec ce code-là, là. puis là, tu as un petit pamphlet d'instructions, puis la plupart des gens ont fait comment, ah, c'est pas bon ça. Faut pas. Non, faut pas faire ça, Faut pas faire ça. Puis, je... puis voyez-vous, là, je les ai, ai collés sur une feuille blanche, puis j'ai marqué en haut, ça, c'est celui du bureau, ça, c'est celui du salon. Ça, c'est celui de la galerie, parce que si j'ai à refaire une configuration, au moins je les ai à portée de main. Je ne suis pas obligé de redéfaire mes stars pour aller rescanner le mm -hmm. code QR et repérer mon appareil. Parce qu'au niveau du pérage, c'est super facile. Euh, au niveau des ouais. étapes à suivre, là, vous voyez ici euh, celui de la galerie qui a été installé. Euh, première étape, on s'assure de, de définir la, à quelle hauteur on veut qu'il arrête donc la, la borne supérieure pour l'arrêter. Après ça, on configure la bonne bande inférieure, euh, donc jusqu'où on veut qu'il descende. Euh, et ça, on fait ça avec la télécommande. Une fois que ça est fait, on fait le pairage avec le code QR. Ça prend une minute, même pas. Et bingo, la, le, le, le star se retrouve à l'intérieur de votre application. Euh, vous allez le voir un peu plus tard. Et vous pouvez le contrôler à distance sans problème. Parce qu'il est dans mon code thread, donc il parle directement à mon Apple TV, à mon réseau. Euh, et, et je n'ai rien à faire, là, ça s'est fait en, à l'intérieur d'une minute. C'est ah, compatible avec Alexa, Google, Name It. C'est ça, peu importe. Il faut prendre évidemment celui que l'on veut dans l'écosystème que l'on veut. Euh, dans ce cas-ci, c'est celui du bureau qui est plus opaque, là, donc euh, je diffuse présentement devant mon beau star euh, qui est dans ma fenêtre. Euh, et là, on voit avec du soleil là, comment ça peut être euh, quand même intéressant. Je n'ai pas pris un 100% blackout, là, un 100% opaque, mm -hmm. euh, parce que je voulais quand même que de, de, de la luminosité, même si euh, je baisse mon star. Ouais, c'est euh, ça. Dans ce cas-ci, euh, c'est comme ça qui a été, euh, qui a été choisi. Euh, et euh, le deuxième qui est dans le salon, euh, qui, est, qui est comme celui de la galerie-là, à 50% d'opacité. Euh, euh, pour le charger, euh, il y a une petite prise USB-C. Euh, on peut utiliser une batterie ou brancher directement dans le mur. Donc, dépendant où vous allez être situé, euh, y a-t-il une prise électrique à proximité? jai il un câble assez long? On peut utiliser une batterie qu'on va recharger euh, parce que ça ne prend pas énormément de, 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 de ressources au niveau euh, batterie pour être capable de recharger ce genre d'appareil-là. Et euh, dès qu'on va le brancher, la petite lumière verte va flasher pour nous dire euh, qu'elle est en train d'être rechargée. Et quand elle va être à pleine capacité, elle va être verte. Donc, on va savoir qu'elle est à pleine capacité. Euh, donc, euh, les deux méthodes marchent. Euh, et autre suggestion du, du YouTuber, il nous disait, euh, il est préférable dans certains cas d'avoir le moteur à droite du store, Parce qu'avec l'angle, c'est plus facile d'aller brancher le fil dans les airs. Euh, sinon, il va se retrouver comme un peu en arrière, puis il va falloir comme aller vers l'arrière pour brancher le fil. Parce que c'est le même moteur qui est inversé de l'autre côté. Mm -hmm. Donc, euh, lui disait qu'il préférait qu'il soit à droite. C'est plus accessible, c'est plus facile. Euh, il y en avait un qui avait commandé à gauche et c'était un problème. Euh, donc, euh, euh, il préférait qu'il soit à droite. Euh, vous voyez en, en haut de la petite lumière verte, il y a un petit bouton qu'on pèse. Donc, c'est le bouton pour faire le pairing. On pèse dessus 5 euh, secondes et bingo avec l'application. Automatiquement, en scannant le code QR le, en moins d'une minute, tout se fait automatiquement. C'est vraiment simple de ce côté-là. Pour ceux qui veulent avoir un petit euh, panneau solaire pour recharger automatiquement, c'est possible. Vous pouvez vous procurer ce genre de petit panneau-là qu'on peut coller en haut de la vitre euh, et qui va utiliser le soleil pour recharger la batterie. Je vous dirais que la batterie, euh, selon ce que j'ai compris, là, euh, ça va être bon pour à peu près deux à trois mois, une fois qu'elle ah, est chargée. Tu sais, pas une que tu... fois ou trois mois, c'est ben oui, ça. Ben oui, c'est ça. Quand j'ai les... eu mes stars, j'étais comme à, à peu près à 35 de capacité de batterie euh, et j'en ai rechargé un cette semaine après un mois. Donc, euh, euh, a... il était à 20 Donc, il a perdu 10 à l'intérieur de, de un mois. Là. Y a-t-il donc... une corde pour stopper euh, de batterie? Ou... Non. Il n'y a pas de corde, ouais. c'est vraiment. Il euh, faut, faut que tu l'alimentes avec un fil électrique. Euh, euh, puis le câble, le câble USB à ce moment-là. Euh, donc, dans l'application, euh, on peut voir euh, en blanc, en plein centre à gauche, là, euh, mon bureau. Euh, c'est mon store. Il est ouvert présentement. Et dès que la batterie a atteint 20 euh, la petite batterie est apparue. Dans, sur, mon, sur mes appareils, que ce soit mon ordinateur, mon iPad, euh, que ce soit sur mon téléphone. Euh, et euh, vous voyez à droite, euh, j'ai le petit point rouge en haut autour en de la petite roue là, qui disait ⁇ Il y a un problème, va voir ⁇ Puis finalement, ça me disait qu'elle euh, était à 19 Donc, en bas de 20 euh, je l'ai rechargée. Seul problème avec la recharge, quand on recharge, l'indicateur de, 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 du pourcentage ne se met pas à jour. Fait que dès qu'on débranche puis on branche, il se met à jour, fait qu'on ne sait jamais où on est rendu, à moins de voir si la lumière est verte et, elle est solide ou elle clignote toujours. Donc, petit désagrément, je dirais, de ce côté-là, mais il semblerait Mise à jour future. Peut-être mise à jour, effectivement. Euh, et on peut voir ici, je l'ai rechargé à 100 Donc euh, euh, ça a été fait hier. Ça a super simple. C'était vraiment, vraiment intéressant comment ça fonctionne. J'ai deux petites vidéos pas très courtes, vous allez le voir là, que, que comment on fait pour euh, ouvrir et fermer. Puis vous allez aussi entendre un peu le bruit que ça fait là. Ça va vous donner une idée du, du fonctionnement. Donc on regarde ça ensemble. Donc là, il est en train de fermer. C'est pas hyper bruit. Non. Le son est un peu amplifié avec le... Oui, ça pourrait être réveillé si tu es en train de dormir dans la chambre et que quelqu'un lève le store. Oui, c'est ça. Mais quand tu es dans une autre pièce, tu l'entends même pas. Des fois, tu te demandes bon, est-ce ouvert, est-ce fermé Tu vas te revoir ton téléphone pour voir euh, qu'est-ce qu'il y en est ou ton, ton ordinateur. Puis il y a une belle lourdeur dans ton panneau pour que tu sais, ça, ça ouais, c'est juste bien, correct. C'est pas trop pesant. Euh, évidemment, faut quand on installe, on s'assure que si on est des fenêtres à battant, euh, d'être suffisamment. Euh, Décalé, ouais. Décaler, c'est ça. Parce qu'on a le choix de, de, que, que, que le, le rouleau soit comme ça ou soit comme ça. Donc, euh, dépendant comment on le veut. Moi, dans mon cas, euh, le rouleau est plus collé sur, le, sur la fenêtre, ce qui fait que là, il a fallu que je me dégage euh, pour être capable de, si ma fenêtre est ouverte, que ça ne l'accroche pas dans mon, dans mon mmh. nivelle, finalement. Donc, je l'ai fermé ici et on va voir, on va l'ouvrir ici. Je vais l'ouvrir juste à. À 40 là, tranquillement, il va ouvrir, puis il va arrêter à 40. Juste avec mon doigt, je décide à quel hauteur je le veux, puis ça se fait automatiquement. Il arrête tranquillement, c'est fini. Vraiment cool. Donc, euh, j'adore mes stars. <laughs> j'adore. Ouais, ben c'est euh, vraiment cool. Tu me fais remettre en question mes stars. Oui, c'est vraiment cool. Donc, euh, dans mes conclusions, Patricia, donc commander les échantillons, c'est vraiment important. Euh, ça va vous permettre de bien choisir, de voir la luminosité, vous allez pouvoir les coller dans une fenêtre, puis faire une bonne idée, puis après ça, prendre, faire un choix éclairé. Comme je vous dis, euh, on hésitait un peu sur l'opacité de, 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 du 95 que j'ai dans mon bureau, mais finalement, c'est parfait. Là. Puis probablement que dans notre chambre, c'est ça qu'on va prendre aussi, parce que euh, euh, je n'ai pas besoin d'aller chez. 100%. Je n'ai pas d'intérêt à aller à complètement 100%. Au moins, j'ai un peu de lumière le matin quand, quand le, le soleil se lève. Donc, euh, et, et on a testé la nuit avec de la lumière. On est allé de l'autre côté. Euh, puis, on voit juste des grosses ombres. Donc, on ne voit pas à travers. Là. Pas euh, assez de euh, détails pour que ce soit problématique. Non, là. Même celui-là, là, on voit juste des grosses ombres. Donc, euh, ce n'est pas un problème au niveau de... Euh, de, de fait de que tu peux faire du nudisme, c'est correct. C'est en plein, ça. Bon. Euh, choisissez la configuration technologique euh, selon votre écosystème et vos besoins. Donc, c'est bien important d'évaluer vos besoins. Euh, si vous voulez aller vers Matter, aller vers Matter, c'est parfait. Ceci dit, c'est un peu plus cher Matter que si vous allez vers oui. euh, les autres écosystèmes parce qu'il y a une prime euh, sur cette, cette technologie-là. Euh, donc, faites le choix éclairé en conséquence. Euh, déterminez si la prise USB-C, comme je dis, est à droite ou à gauche. Idéalement, euh, elle est moins accessible à gauche. Moi, je les ai mis à droite. Euh, c'est beaucoup plus accessible. Donc, prendre ça en compte. Euh, mm. Utilisez une petite mèche, comme je dis, pour percer vos trous, s'assurer que euh, vous avez besoin un fond, vous devez vous mettre, euh, comment on appelle ça, une petite cheville, là, une petite... Euh, un encre. Un encre en plastique là, pour un être entrer, capable hein. de visser. Oui, c'est ça. Donc, euh, euh, j'ai dû le faire dans un cas, là, parce que j'étais vraiment dans le vide, donc je n'avais pas, pas le choix. Et finalement, est-ce que c'est vraiment moins cher? Euh, je vous dirais que j'avais fait faire une soumission d'un magasin. Et euh, euh, le magasin, ce qu'il m'offrait, c'était euh, un hub avec une technologie, je ne me suis plus laquelle, là, parce que souvent, les, les vendeurs ne connaissent pas trop ça, puis ils disent juste, ah, ça va marcher, là, ça va être un hub. Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. ça. <laughs> Donc, euh, ce que je me suis aperçu, c'est que euh, sur les stars comme tel, parce que je n'ai pas besoin de hub, euh, j'ai sauvé probablement environ 500 sur trois stars. Okay? Donc, à peu près euh, 150 euh, 175 par star que j'ai sauvé. Là où j'ai beaucoup sauvé, c'est sur l'installation. J'ai ouais, sauvé, sauvé 1000 d'installation. Donc, j'ai sauvé environ 1500 pour trois stars. Euh, ça m'a coûté... dans euh, euh, c'est ça que ça m'a coûté. Non. Je n'ai pas sauvé 1500, mais je vais sauver 1500 une fois que je vais avoir mes 6 stars. Donc, mes trois stars sont venus à 1850 environ, taxes comprises euh, et, et, et expédiées. Euh, donc, qui était, qui était quand même raisonnable comme coût, considérant que c'est des grandes fenêtres euh, très hautes, très larges. Donc, euh, je pense que le prix était juste. Euh, c'était pas, pas cheap. Là, je ne voulais pas acheter quelque chose de cheap et que ça brise dans deux ans, puis il faut que tu changes tout. Là. Donc euh, de ce côté-là, je pense que c'était raisonnable. Et, et compte tenu que c'est dans mon écosystème, ben j'ai pas besoin de hub c'est parfait. Puis l'installation, ben, je l'ai faite, puis ça va, ça, ça se fait super bien. Bon. c'est pas super compliqué. Non, non, c'est ouais. ça. Donc, euh, je le recommande fortement. Smart Wings. Vous pouvez aller sur euh, le, leur site web si vous voulez acheter. Et euh, je vous dis tout de suite, là, c'est... Euh, c'était recommandé et je confirme, euh, j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc, euh, c'était ma revue Très de naïve. mes stars intelligents pour euh, mon nouveau condo.